Good morning, allez, Yiden, les tutos aujourd'hui, les Nishmat, Mourir Rabbi Shmuel, Ben Shlomo Zalman, Sarah Batran Rachel, Shlomo Menester, Shlomo Nissim, Ben Sarah, ainsi que deux fois, Sarah Bat Betir, Kapitor, Shavu Israël. Si vous souhaitez aussi aider une prochaine étude de Mishnah, contactez la communauté éternelle, nous étudions Maserhat Menachot, Perek Yud Alef, Mishnah Vav, Arbas, Nifim Shal Zaha, Vayusham, Mefutsalin, Merashehen, Shayusomprin Ben Shner, Shnaim Lesederze, Oshnaim Lesederze. Ve'esrim Moshmone Kanim, כחצי קנה חלול, 14 לסדר זה ו-14 לסדר זה. לא סידור קנים ולא נטילתן דוחה את השבת, אלא נכנס מערב שבת ושומתן ונותנן לאורכו של שולחן. כל הקנים שהיו במקדש אורכן לאורכו של בית. On explique tout de suite, on est en train de parler du lechem à panim, les 12 pains qu'on est en train d'apprendre. Déjà, on a déjà évoqué depuis quelques Mishnayot déjà en arrière, on va continuer dans le prochain Mishnayot pour mieux comprendre comment ça se passe. Il y avait une avoda spéciale à faire. Il fallait le Shabbat apporter 12 pains. On a défini leur taille. Yahaz, 10, 5, 7. Avec les... Il y avait des petits coins comme ça. Et 12 pains, qui est en fait deux groupes de 6, qu'il fallait entrer le Shabbat. On les prépare depuis la veille du Shabbat. Le Shabbat, on entrait au Beit HaMikdash, dans le Echal, les Kohanim entraient. Et ils portaient donc ces pains. Ils les apportaient, ils les posaient sur la table. Et ils prenaient les anciens pains. Avec la levona, il y avait deux cuillères, il y avait dedans une encens appelée la levona. Cette levona, on la faisait monter sur le misbar, et les pains, ils sont partagés entre tous les kohanim du mishmar, de la garde. Maintenant, pour disposer ces 12 pains, alors il y avait une technique. On avait un problème technique je vous explique très simplement. Si vous prenez du pain, un sur l'autre, eh ben, il va y avoir de l'humidité qui va se stagner entre eux, et ils vont moisir. Pour que ça ne moisisse pas, il faut les aérer. D'accord ? C'est comme tout. Vous enfermez du pain dans un sac plastique, il va dégager de l'humidité, ça va pourrir. Si vous laissez ouvert, l'humidité elle va sortir, donc il n'y aura pas d'humidité, ça va moins pourrir. Ben, c'était le même principe avec les pains qu'on disposait sur la table. En théorie, on pourrait les disposer les 12 ensemble, et puis c'est fini. Le problème, il est qu'il va y avoir de la chaleur entre eux, de l'humidité, et ça va moisir. Pour ne pas que ça moisisse, alors il y avait un système un peu comme d'étagère, ce qu'on appelait justement les snifim. Une planche, ça s'appelle un sniff dans la Mishnah, dans la Gemara. Il y en avait quatre, ils étaient en or, c'est ces quatre choses-là. Je les ai fait en rouge, il n'y avait pas de jaune, de toute façon en jaune vous n'aurez rien vu. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, regardez, c'est ça la table qui était dans le Beit HaMikdash. On expliquera ensuite plus de détails sur cette table, qu'il y avait un manche. Pour le moment, j'ai dessiné juste une table, il y avait quatre, comme ça, quatre sortes de poteaux, qu'on disposait deux. Et deux d'un côté, deux de l'autre. Et pour les relier, alors il y avait des canim, des petits roseaux, des demi-canim plus précisément, des demi-roseaux, donc des U comme ça, c'est pour ça que je les ai dessinés maintenant. Vous prenez un sniff, vous regardez, il y a dedans, comme ça, des petits U, dans lesquels on va pouvoir planter les canim, les petits bâtons. Il y en aura par étage, il y aura, ça se passe comme ça, puisqu'on a 12 pains qu'on va séparer en deux, donc ça fait 6 et 6. Le premier pain, on le pose tout en bas. On a maintenant 5 intervalles. Pour les 5 intervalles, alors, pour les 4 premiers intervalles du bas, puisqu'il va y avoir beaucoup de poids, Rami m'ont dit, on va mettre 3 petites barres. D'accord, 3 canim, 3 roseaux, pour 3 barres pour soutenir le pain du dessus. Et quand on va arriver tout en haut, on va en avoir plus que 2, donc ça va faire 14. Et 14 pour lui, 14 canim, donc 14 petites étagères, petites barres qui vont soutenir les pains. 14 pour l'un et 14 pour l'autre, ça va faire en tout 28. Si vous avez compris ça, on a compris toute la Mishnah, regardez. Arba'as nifim shel zahav ayusham. Il y avait là-bas, à côté de la table, donc 4 snifim, 4 planches en or. Je vous avais dit dans le cours précédent que c'était en bois recouvert d'or, c'était une erreur, puisqu'il y a écrit que c'est que en or. Et c'était Mefutsalim Merashen. Mefutsalim, alors le mot Mefutsal en hébreu, c'est qu'on a séparé en deux. Mais là, en l'occurrence, il faut plus interpréter dans le sens que c'était incisé. Elles étaient incisées Merashen vers leur tête. C'est-à-dire, puisque on a. Vers la moitié haute, la moitié du haut. Pas la moitié basse, puisqu'en bas, il n'y avait pas du pain sous la table. On mettait le pain qui est au-dessus de la table. D'accord ? Shayu somrin bahen, shnaim le sederze ou shnaim le sederze.
et que l'on appuyait, dessus les pains, c'est-à-dire ça servait à soutenir les pains. Et on en mettait deux pour un seder, pour une série de 6, et une pour une série de 6. D'accord ? J'ai traduit mot à mot la Mishnah, ça signifie qu'en fait on nous a pris donc 4 snifim, avec, qui étaient incisés pour pouvoir mettre les petites barrettes en roseau, en or en réalité, mais c'est kanim, c'est la traduction de kanim, c'est le roseau. Et donc, Shayusam Khinben, Shnaim le Sederze, Shnaim le Sederze, et que grâce à elle, on avait donc deux d'un côté et deux de l'autre. Ve'esrim ushmone kanim, et il y avait 28 petites barrettes, kachatsi kane chaloul, qui ressemblaient à un demi-roseau, perforé, d'accord, un petit U, donc. Arba asar le sederze, varba asar le sederze. Il y en avait 14 pour cette série-là de 6, puisqu'il y avait 6, et 14 pour là. Je dis, comment est-ce qu'on arrive à 14 si on a 6 pains à disposer? Je le répète encore une fois, un pain posé sur la table. Au-dessus, on met 3 canimes pour disposer maintenant le deuxième pain. Au-dessus, 3 canimes pour disposer le troisième pain. Au-dessus, 3 canimes pour le quatrième pain, cinquième pain. Et entre le cinquième et le sixième, il n'y en avait plus que 2. D'accord? Donc ça nous fait 28. Maintenant, la Mishnah m'enseigne quelque chose d'intéressant. L'osidur kanim, tout ce qui est écrit dans la Mishnah, c'est intéressant. Mais là aussi, c'est aussi intéressant. L'osidur kanim velo netilatan dochait haShabbat. Ni le fait de mettre les petites barrettes, ni le fait de les retirer, permet de repousser le Shabbat. On explique un petit peu mieux. Non, d'abord, je lis la phrase. Et la nichnas merav Shabbat, mais plutôt, il fallait entrer depuis la veille du Shabbat, veshomtan, il les retirait. Venotnan les orkosh al shulchan, et le mettait dans la longueur de la table. Et on explique de quoi ça parle, c'est très simple. Il y a une halakha. De manière générale, vous savez bien qu'à Shabbat, on n'a pas le droit de déplacer du mouktsé. C'est très vaste l'halakhot de qu'est-ce qu'on appelle mouktsé, qu'est-ce qui n'est pas mouktsé. Une des choses qui est pas mouktsé, c'est une chose qui n'a pas un statut d'ustensile. Ces petits canim n'ont pas un statut d'ustensile. C'est des petites barres qui ont... C'est pas, d'accord. Il y a des définitions bien précises pour définir à partir de quand c'est un ustensile. Là, ça n'a pas un statut d'ustensile. De ce fait, on n'a pas le droit de déplacer ces petites barrettes le Shabbat. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? On n'a pas le droit de les déplacer. Maintenant, le but, d'abord, excusez-moi, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète tout de suite. Le but de ces petites barrettes-là, pour soutenir les pains, c'est en fait pour pouvoir aérer les pains, pour que ça appuie pas trop, de manière à ce qu'il y ait de l'air qui passe en dessous, et que ça ne va pas donc moisir. Le problème de la moisissure, c'est si on laisse pendant longtemps. Mais laisser pendant quelques heures, même 15 heures, c'est pas très grave. De ce fait, puisqu'on n'a pas le droit de déplacer, a priori, ces petites barrettes de Shabbat, c'est un interdit des rabbanan de Mouktsé, alors on a vu l'usage, au Bet-Amigdash, le vendredi après-midi, avant Shabbat, un Kohen rentre dans le Echal, il retire toutes les petites barrettes et il va poser les pains un sur l'autre. Et on ne craint pas que d'ici demain matin, c'est-à-dire parce qu'on est vendredi après-midi, d'ici le lendemain matin, on ne craint pas que ça va avoir le temps de moisir, il n'y a pas de problème. Et de ce fait, quand les Kohanim entraient le Shabbat, ils récupéraient directement les 6 pains. 6 pains pour l'un et 6 pains pour l'autre. D'accord? Il y avait besoin de retirer les Kohanim. Et quand ils apportaient les nouveaux pains aussi, parce que la voda d'apporter les pains, c'était on dépose 6 et on retire les 6. On retire les 6. Un, simultanément. Alors, de nouveau, pour les pains qu'on va déposer, on ne va pas non plus avoir besoin d'utiliser la barrette. On va pour le moment les poser les 6, un sur l'autre. Et quand Shabbat sort, le soir, on revient. Et on va commencer maintenant bien les disposer avec les snifim, donc c'est les étagères, et avec les petites barrettes pour bien les aérer. D'accord? C'est ce qu'avait écrit. Et la nichnas me'erev Shabbat, il rentre depuis la veille de Shabbat. Veshomtan, il les retire, donc toutes les petites barrettes, les 28 barrettes. Venotnan les orkosh al shulchan, il les déposait par terre. Le long de la table, ouais, le long, je ne sais pas exactement, en tout cas, le long de la table dans ce sens. On a fini la première partie de la Mishnah continue en me disant maintenant, « Kol akenin shayu bamigdash, orkan le orko shel bait. » Là, je ne vous ai pas fait le dessin parce qu'il n'y avait plus de place, mais c'est très simple, vous allez me comprendre tout de suite. Il y a le Echal, il faisait, je crois, 40 sur 20. Je ne veux pas dire de... Je ne veux pas m'engager, je ne préfère pas dire d'erreur. En tout cas, le Echal, c'était un rectangle. Il était plus long que large. Lorsqu'on arrivait, on passait le Mizbar, on entrait, il était une sorte de étroit et long. Maintenant,
Question. Il fallait mettre donc le shulchan, la table, il fallait la mettre dans le Echal, sur le côté gauche de l'entrée du Kodesh HaKodeshim. Maintenant, pour le mettre sur le côté gauche du Kodesh HaKodeshim, il y a deux possibilités. Soit on le met dans le sens de la largeur, soit dans le sens de la longueur. Eh bien, le Mishnah m'enseigne, tu mets la longueur dans le sens de la longueur. C'est-à-dire là, ce que vous voyez en fait, eh bien, c'est dans le sens que le Kodesh HaKodeshim, il est là et l'entrée, elle est là-bas. D'accord? Parce que là, c'est la longueur et là, c'est la largeur. Donc, il fallait qu'elle aille la longueur dans le sens de la longueur. C'est ce qu'il y a écrit ici, je reprends ça dans les mots. Kol hakelim shayu bamigdash, tous les ustensiles qu'il avait dans le migdash, que ce soit le shulchan ou la menorah, orkan le oroko shel bayit, leur longueur devait être parallèle dans le même sens que la longueur du bet amigdash et pas dans le sens de la largeur. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne semaine, de la sarakol tov, salam.